commanderait, quel que soit l'âge. C'était des choses qui avaient été demandées et qui, donc voilà, nos adhérents nous ont sollicité à plusieurs reprises à travers les différents sondages ou voilà, les différentes remontées de besoins. Et on démarre ce soir cette série de 5 webinaires par l'accueil en établissement spécialisé. Et nous avons avec nous Mégane Viau, qui est chef de service d'un EEAP, mais que je vais laisser se présenter elle-même. Bonsoir Mégane. Bonsoir. Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, moi, je suis Madame Viau, chef de service donc, dans un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Donc, je suis en région Bourgogne, donc dans l'Yonne. Je suis chef de service de cet établissement depuis un peu plus d'un an maintenant. Très bien. Voilà. Alors, c'est assez stressant de ne pas voir les têtes des gens. Oui, c'est vrai, on ne voit personne. C'est ça. Mégane, c'est quoi un EAP? Alors, un EAP, c'est un établissement pour enfants et adolescents en situation de polyhandicap. Généralement, donc, c'est des agréments donc, pour des enfants âgés de 3 à 20 ans. Et après, du coup, on a donc l'accueil de jour. Et après, il peut y avoir, suivant les établissements, soit de l'accueil en internat, soit de l'accueil de répit. Là, ça dépend vraiment du fonctionnement de l'établissement et voilà, du projet d'établissement et ce qui est mis en place au sein de l'unité. Ça peut être du temps partiel ou du temps complet, mais en accueil de semaine uniquement. Donc, pour en tout cas les deux EAP de Lyon et la majorité des établissements, ils sont sur un calendrier d'ouverture. Après, commencent à se développer des établissements type IME ou peut-être à un moment donné aussi EAP sur des ouvertures en 365. Avec la transformation de l'offre, c'est des choses qui commencent à arriver. D'accord, ça n'existait pas spécialement avant. Alors, au niveau nous de l'établissement donc, dans lequel je travaille, c'est un projet qui commence à être en cours. Donc, c'est en effet une évolution de l'offre qui est en cours, voilà, qui va arriver pour justement pouvoir proposer des accueils plus complets, entre guillemets, permettre plus de répit aux familles et puis répondre un peu plus aux besoins. Puisque là, aujourd'hui, les calendriers d'ouverture, à titre d'exemple pour le nôtre, on est ouvert 210 jours à l'année. Ce qui signifie en fait qu'on est fermé la moitié des vacances scolaires et tout le mois d'août. D'accord. Là, forcément, le nombre de congés des familles, enfin des parents, d'avoir autant de fermetures et du coup, parfois des difficultés pour les prises en charge sur les grandes périodes de fermeture comme le mois d'août. J'imagine, oui. Voilà. Très bien. OK. Alors, on va rester très généraliste. On va parler de manière générale C'est de sûr. l'accueil type en EAP, qui est finalement plus ou moins similaire à un IME, etc. Évidemment, il faut prendre en compte que ce qui est proposé dans chaque établissement dépend d'un certain nombre de périmètres, c'est-à-dire du personnel, de la politique de la direction, etc. C'est ça. Ça va dépendre du projet d'établissement, de la localisation de l'établissement, et puis après, voilà, de ce qui est mis en place avec voilà, certaines spécificités ou des objectifs qui ont plus été développés dans des établissements que d'autres. Donc, en effet, moi, je vais parler avec l'établissement et ce que j'en vois au quotidien, mais ce n'est pas forcément la même chose partout. Très bien. Après, je peux faire un petit peu de comparaison entre l'IME et l'EAP, puisque en fait, là où je travaille, on est en fait sur un pôle, donc je partage mes locaux avec un IME. Donc voilà, je suis en collaboration étroite avec un IME, mais voilà, j'y ai un petit peu travaillé auparavant, mais très rapidement, donc je ne vais pas être aussi à l'aise pour évoquer le fonctionnement d'un IME que celui d'un EAP, mais je peux en effet faire quelques parallèles, il n'y a pas de souci. Globalement, il y a beaucoup de différences entre un EAP et un IME. Non, la principale différence, ça va être le public accueilli, finalement. Et du coup, la prise en charge, on va dire, plus de nursing et en soins qu'on va avoir du côté de l'EAP plutôt que du côté d'un D'accord. IME. Après, les objectifs restent les mêmes. On est sur un accompagnement personnalisé de l'enfant, sur l'accompagner dans son autonomie, avec ses capacités, ses compétences, et travailler des objectifs pour l'aider au mieux. Alors, on va y venir justement en quoi un établissement type EAP ou ME, il est adapté à une personne qui est atteinte du syndrome de Rett. Alors, il n'y a pas d'établissement en France qui est dédié à l'accueil d'enfants ou d'adolescents, ni même d'adultes syndrome de Rett, mais plus généralement au polyhandicap. En quoi cet accueil, il est adapté?
Alors, il est adapté par rapport à son organisation. Je dirais qu'on a une équipe qui est pluridisciplinaire, donc là encore, qui va varier hein, suivant les établissements. On a vraiment une équipe éducative qui est formée. On a principalement donc, des accompagnants éducatifs sociaux, les anciens AMP, qui parlent peut-être un peu plus. On a des moniteurs éducateurs. Dans certains établissements, vous pouvez avoir des éducateurs spécialisés. Moi, j'ai par exemple aussi une auxiliaire de puériculture. Voilà, ça c'est pour l'équipe éducative. Et après, on a toute la partie paramédicale et médicale avec voilà, des interventions d'ergothérapeute, de kiné, parfois d'orthophonie, médecin en rééducation fonctionnelle, enfin voilà, tout, des kinés, une infirmière, aide-soignant. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter au mieux un accompagnement. Personnalisé, en tout cas, au rythme de l'enfant, au maximum. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur des grandes journées. Là encore, ça varie, hein, suivant les établissements. Je sais que sur le mien, on est de 9h45 à 16h30. Donc, on est un petit peu moins ouvert, on va dire, que sur des amplitudes d'école ordinaire. Alors, je vois une question en bas. C'est vrai que j'y pense pas forcément sur l'enseignant spécialisé. Donc oui, en effet, les EAP ont vocation à proposer aussi de la scolarité adaptée. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de le dire puisque nous, c'est un projet qui est en cours, qui n'était pas développé sur l'établissement où je suis. Mais effectivement, au même titre qu'un IME, on est justement nous en train de le refaire. On est sur une convention avec l'Éducation nationale. Pour en effet avoir une mise à disposition d'enseignants spécialisés pour pouvoir proposer en effet des temps d'apprentissage au sein de l'EAP. Sur par exemple, je fais le parallèle parce que sur Lyon, on a deux établissements. Donc mon homologue dans le département, ils ont déjà depuis plusieurs années en effet une enseignante spécialisée qui en plus, voilà, sur cet établissement-là, ils ont une orthophonie aussi depuis plusieurs années qui a développé le Tobie et autres. Et donc du coup, aussi au travers de cet outil, voilà, il y a de l'apprentissage qui est mis en place, voire même il y a des inclusions scolaires aussi. Des enfants, alors, voilà, là je parle vraiment de l'autre établissement de Lyon, puisque ce n'est pas le cas sur celui où je travaille, mais avec des enfants qui, en effet, en parallèle de leur accueil à l'EAP, ont des temps d'inclusion scolaire. Très Ça bien. fait partie aussi, de toute façon, des objectifs et des choses qu'on doit pouvoir proposer et puis monter au niveau voilà, des attentes des familles, des attentes aussi pour ces jeunes et pour leur proposer le maximum d'accompagnement. Alors justement, tu nous parlais d'accompagnement personnalisé. En quoi Oui. l'accompagnement, comment on personnalise un accompagnement d'un enfant qu'on accueille dans un centre? Alors, je vais vraiment parler de nous par rapport à notre accompagnement. Donc, en fait, il y a toute la phase d'admission, finalement, où déjà, voilà, on reçoit les familles. On évoque avec eux ce qu'on peut faire. On voit avec la famille quel est pour elle le projet pour leur enfant déjà. On essaie de voir si nous, on a les moyens humains et matériels pour y répondre. Ensuite, il y a tout le lien avec l'équipe médicale également. Et après, nous, ce qu'on fait en tout cas, c'est qu'on propose une période d'intégration. C'est-à-dire que sur 15 jours à un mois, on accueille l'enfant et on commence par une demi-journée, puis un après-midi, puis un temps de repas, après les journées, etc. Et là, du coup, l'équipe commence, entre guillemets, une pré-évaluation, parce que j'aime pas dire qu'en un mois, on peut évaluer un enfant et tous ses besoins, mais voilà, on commence à voir si déjà, nous, on va pouvoir accompagner, au vu des objectifs de la famille et de l'enfant dans notre établissement, de façon pertinente, l'enfant. Et après, en fait, on est soumis de toute façon, hein, au niveau légal, dans les 6 premiers mois, on doit rédiger un projet d'accompagnement personnalisé, où là, du coup, on a un petit peu comme. On a un peu une grille hein, d'évaluation, comme on pourrait l'entendre sur les actes de la vie quotidienne, finalement, dans leur globalité. Là où on doit accompagner, où on a évalué les compétences de l'enfant, là où on pense qu'on va pouvoir l'accompagner davantage en autonomie sur cet item-là. Et après, on formule du coup des objectifs. Alors, on évite d'en formuler trop.
parce que l'idée, ce n'est pas d'en mettre 40 000 et puis de ne pas y arriver et puis, ou de les remettre de façon continue. On essaye, nous, en tout cas, de s'axer sur 2 à 3 objectifs où on cible les professionnels qui ont les compétences pour accompagner. Et après, on organise du coup le planning de l'enfant sur des activités transversales ou individuelles de manière à travailler ces objectifs et essayer, en tout cas, de les atteindre au mieux. Bien sûr, ce projet personnalisé, il est fait en coopération avec la famille qui est en co-signataire de cet outil, avec l'équipe. Enfin, voilà. Et ça, le projet personnalisé doit au moins être vu une fois par an. Ça peut être plus si besoin. Si finalement, la famille souhaite changer d'objectif, hein, si on n'est plus sur les mêmes attentes. Et puis après voilà, c'est comme ça que se fait l'accompagnement. Et comme j'ai tendance à le dire, si on y arrive bien, si l'enfant gagne en autonomie et autres, cet après-midi encore, je recevais une famille qui vient de recevoir une notification. L'entrée en IME ne veut pas dire que l'enfant y passera toute son enfance. C'est-à-dire qu'en effet, à un moment donné, il peut gagner en autonomie, il peut évoluer et peut-être après partir sur un IME ou sur de l'inclusion complète ou sur un CESAD ou autre. Enfin, voilà, il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Je pense que, j'ai envie de dire que malheureusement, avant, c'était peut-être plus on rentre à l'EAP, on y sort à 20 ans et on va sur une structure adulte. Et voilà, malheureusement, on est rentré dans des murs, on n'en sort pas. Moi, je prône vraiment le fait de dire qu'il y a de l'évolution et que ça ne veut pas dire que quand on y rentre, on n'en sort pas. Et les choses évoluent. À titre d'exemple, j'accueille une petite en double notification avec un IME. Donc, sa semaine est partagée entre les deux établissements. Donc, d'accord. J'ai envie de croire, et c'est ce que moi j'essaie d'impulser, que voilà, qu'on peut bouger les lignes et que quand il y a vraiment un projet d'accompagnement qui est ficelé, qui est envisagé par la famille et qui peut être monté, enfin, s'il y a l'offre, il faut essayer d'y aller. En tout cas, moi, c'est tout. Alors, ça rejoint une question qui vient d'être posée par Louisa. Les enfants en EAP sont moins autonomes que les enfants en IME. En fait, ça rejoint aussi une question qui avait été posée en amont lors de l'inscription d'un parent. La discussion, donc, quel est le temps scolaire dans une semaine pour un enfant en sein de l'EAP, je ne peux pas y répondre. Puisque moi je ne l'ai pas et qu'en fait ça dépend vraiment après de la convention avec l'éducation nationale et les mises à disposition qu'ils peuvent nous mettre. Donc ça je ne saurais pas y répondre. Je veux dire que ça varie d'un établissement à l'autre en fonction ça varie d'un établissement à l'autre de l'éducation nationale, de l'enseignant, le coordinateur pédagogique du département, etc. Donc là je ne peux pas y répondre. Après, les enfants en EAP sont moins autonomes que les enfants en IME. C'est un peu compliqué à répondre comme question. J'aurais tendance à dire que oui. Oui, parce que sur l'EAP, vraiment la distinction entre ces deux établissements, c'est que sur l'EAP, on est sur du polyhandicap. Donc, en effet, on va être sur une atteinte des fonctions motrices et cognitives intellectuelles. Sur un IME, généralement, on est principalement sur la déficience intellectuelle, mais avec des enfants qui sont autonomes sur la toilette, sur la mobilité et autres. Donc oui, c'est aussi pour ça que sur un IME, il n'y a pas autant d'encadrement en termes d'AES ou en termes d'aide-soignant. Parce qu'en effet, c'est des enfants qui sont pour la plupart marchands, qui sont généralement autonomes sur la propreté pour la plupart. En IME, souvent, quand même, le but de l'IME, hein, c'est une école un peu spécialisée et il y a quand même une certaine vocation de professionnalisation derrière dans l'évolution de l'IME. Voilà. Sur l'EAP, on est plus sur des enfants en situation de polyhandicap. D'accord. C'est dans notre nom. Notre profil d'accueil, c'est des enfants en situation de polyhandicap. Cela dit, il existe des IME avec des groupes d'enfants qui sont accueillis polyhandicapés et où la prise en charge, elle est aussi adaptée. Ça veut dire que c'est des unités bien spécifiques avec les moyens humains et matériels qui correspondent. Oui, exactement. Mm-hmm. Très bien. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, justement, si vous en avez. Ben voilà, Nadège nous demande quel est le taux d'encadrement. Alors là encore, je pense que c'est à géométrie variable. Voilà, là, je vais parler pour le nôtre. Pour le nôtre, dans la théorie, bien sûr, quand il n'y a pas d'arrêt, quand il n'y a pas de petits soucis comme ça, on est pour un professionnel pour 2 enfants. Donc après, je peux aller un peu plus dans le détail pour que ça vous parle. Donc sur l'établissement où je travaille, alors en IME, je crois qu'ils sont en moyenne 1 pour 5, 1 pour 6.
Ça doit être un peu, à peu près ça, je pense. Et sur les jeunes ados, les, ouais, ce qu'on appelle maintenant les SAJA, je crois qu'ils sont quasiment à 1 pour 7 ou 1 pour 8, peut-être au plus haut. Mais vraiment avec toute précaution, parce que j'y travaille pas, donc je veux pas faire d'impair, mais il me semble que c'était ça que j'avais en tête quand moi j'y ai travaillé rapidement, il y a déjà quelques années. Oui, et puis on garde bien en tête que chaque Ouais, établissement a c'est son ça. propre façon de Après, travailler, même si vraiment. évidemment il y a une. Et de la Vraiment, même parce que manière. Pardon. typiquement, s'il y a, si c'est un IME qui a en effet une unité un peu plus spécialisée avec des enfants avec voilà, du polyhandicap ou autre, j'imagine que sur cette unité, de fait, les renforts humains sont plus importants. Enfin, c'est vraiment. Voilà, je préfère parler de là où je suis. C'est toujours mieux. Donc voilà, après, là, par exemple, pour l'établissement donc, moi, où je suis, c'est 17 enfants, donc c'est à peu près 3 groupes de 6. À peu près, hein, puisqu'on a une file active de 18 enfants, puisqu'il y a des, il y a des, comment, il y a des temps partiels. Et donc voilà, à peu près, c'est 3 enfants, enfin, c'est 3 professionnels par groupe. L'accompagnement, nous, le midi, on l'a mis en 1 pour 1. Donc voilà, donc on a organisé notre roulement du matin, enfin du midi, pardon, pour ça. Et puis après, bon, bah voilà, il y a des temps individuels, donc prise en charge individuelle, là encore, ça dépend des établissements et des équipements. Là où je travaille, il y a une balnéothérapie, il y a une salle de snowzélène, une salle détente, on a une piscine privative, on a une grande salle polyvalente, on a un chien d'accompagnement social aussi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pris en charge, on va dire, plus individuel. Et puis après, ben voilà, il y a des activités transversales où on a l'atelier goût, on va avoir l'atelier musique, atelier marionnette, conte, il y a de l'équithérapie en extérieur. Il y a aussi des temps de piscine sur la piscine municipale. Il y a des choses qui se font avec la commune. Voilà, c'est à peu près. Alors, comment ça s'organise ces activités? C'est-à-dire que ça fait partie du projet personnalisé, et donc ensuite l'équipe est en accord avec la famille, établit une espèce Un d'emploi du planning. temps. Il y a un emploi du temps qu'on fournit aux familles, un emploi du temps à la semaine qui est tout le temps le même, hein, où justement on inscrit entre guillemets l'enfant dans des activités qui lui permettent de travailler l'objectif qui a été fait, qui a été déterminé dans le PPA. Pour vous dire un peu une journée type à l'EAP, donc nous les enfants on les accueille, on propose un temps d'hydratation. Aux enfants. Ensuite, on vérifie s'il y a besoin de faire le change. Donc là, il y a un premier temps. Ensuite, ils partent en activité, donc soit transversale, soit individuelle. En fin de matinée, on revérifie l'échange. Ensuite, il y a le temps d'accompagnement au repas. Après le repas, suivant les besoins des enfants, soit il y a vraiment un temps de sieste qui est proposé, soit on est sur un temps calme. Là, voilà, ça dépend vraiment des besoins de l'enfant et de ses habitudes de vie aussi à la maison. Et après ça, ils sont levés et il y a de nouveau un petit temps, alors moins long que celui du matin, mais il y a un petit temps aussi éducatif, d'activité et autres. Et après, il y a le goûter, puis ils rentrent chez eux. Sauf pour les internes, Bien. qui restent à la semaine chez nous. Je vais te poser une autre question, mais on va faire juste une petite parenthèse. On a Barbara, bonsoir Barbara, qui nous rejoint Oui. et qui demande, et qui, voilà, qui repose une question qu'on a déjà Pour abordée tout à l'école. l'heure. Y a-t-il des temps d'école et si oui, combien de temps en moyenne par personne? Si tu veux juste nous redire ce que tu nous as dit. Voilà, donc en effet, du temps d'école, oui, c'est possible, ça dépend du projet d'établissement. Si ça a été mis en place via une convention avec l'éducation nationale, donc comme je le disais sur l'établissement où moi je suis, c'était pas encore en place, donc on est en train de le monter justement, donc je peux pas vraiment en parler. Pour autant, voilà, il n'y a aucun souci pour le retard. Pour autant, oui, ça existe, par contre, je suis pas capable de vous dire combien de temps il y a sur la semaine. Ça, je ne saurais pas répondre. D'autant que, comme je disais, ça va dépendre vraiment du coordinateur pédagogique du secteur, enfin, voilà, de tout ce qui est à mettre en disposition via l'éducation nationale. Donc, voilà, là, je reste assez vaste sur cette Oui, réponse. c'est ce qu'on dit de manière générale. Mégane expose ce qui se passe dans son établissement, qui reste quand même des généralités dans n'importe quel type d'établissement, mais ensuite, tout dépend voilà, de la politique de la direction et des collaborateurs et du C'est personnel de ça. l'établissement. Et puis de là on se trouve, parce que enfin, voilà, comme je le dis, hein, c'est vrai que même au niveau de tout l'accompagnement paramédical, suivant les régions où vous êtes, bah, voilà, c'est comme pour tout le monde, il y a des déserts médicaux et on peine plus ou moins à recruter des professionnels spécialisés. Donc voilà, parfois vous allez avoir dans un établissement beaucoup plus d'encadrement médical, de l'autre un peu moins sur un autre établissement, voilà, ça dépend. Il ne faut pas hésiter de toute façon si vos enfants
font des notifications vers des EAP à rencontrer la direction et puis aller les voir, hein, et puis échanger sur toutes ces questions-là, sur les professionnels encadrants et autres. Alors justement, je vais revenir un peu au début, c'est des questions qui avaient été posées par anticipation lors de l'inscription. Comment un enfant il est orienté vers un EAP ou un IME? Dans quel cursus, dans quel parcours? Comment ça se fait? Alors, il y a plusieurs parcours. Pour ma part, j'ai énormément d'orientations vers notre établissement qui se font à partir du CAMS pour les enfants qui ont été accompagnés par un CAMS. Et donc là, en général, en effet, avec l'équipe du CAMS, il est travaillé avec les parents, en fait, le projet de l'enfant. Et souvent, se pose la question de l'entrée à l'école à 3 ans. Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que du coup, il faut tout de suite aller vers un établissement ou pas? Donc, ça, c'est pour les parents, je dirais, qui ont déjà un accompagnement un peu médico-social autour d'eux. On a aussi des orientations qui émanent, en fait, de l'école, puisque l'enfant est rentré à l'école et puis finalement, on se rend compte que c'est un peu compliqué avec les AVS et autres. Comme je le disais encore tout à l'heure, j'ai le sentiment, moi, de ce que je rencontre depuis un an, que c'est souvent au moment du passage école maternelle, école élémentaire, que là, voilà, il y a un premier maintien en grande section. Et puis finalement, après l'école de CP, ils disent, non, c'est pas possible, il faudrait réorienter. Donc souvent, ça arrive là, après des ESS avec les écoles. Après, voilà, c'est dans le projet de vie, finalement, de l'enfant avec sa famille. Après, c'est une orientation par la MDPH, du coup, vers un établissement spécialisé. Voilà, donc, en fait, on fait la demande auprès de la MDPH. Oui. La MDPH donne une notification un accord. Donne une notification, en fait, une orientation, soit vers... suivant voilà, le profil de l'enfant, soit vers un IME, soit vers un EAP. Parfois vers les deux, ça commence à se voir en effet. Donc après, c'est aux professionnels de l'établissement un peu d'aider la famille et d'évaluer finalement est-ce que c'est plus de l'EAP, est-ce que c'est plus de l'IME. Et parfois, comme je dis, c'est les deux. Moi, je reste convaincue de ça et j'espère indirectement qu'on va faire évoluer les choses et se dire que les établissements n'apportent pas toujours les mêmes choses et que un enfant peut avoir des besoins du côté de l'EAP et des besoins côté IME. Donc en tout cas, voilà, c'est quelque chose que... Là, pour une fois, on a pu nous proposer pour une jeune qui avait cette double orientation. Et après, y a tout un parcours d'admission et puis après d'accord. Donc alors, à partir du moment où le parent reçoit la notification, il prend contact avec les établissements qui sont listés. Et alors, donc après, en général, on sait ce qui suit, c'est la liste d'attente. Et ensuite, donc, j'imagine que pendant ce temps-là, il y a déjà un contact qui se fait avec la famille. Alors, là encore, j'ai vu dans les questions que vous m'aviez relayées juste avant qu'il y avait une question qui disait, enfin pas une question, mais une remarque, j'imagine, d'un parent qui disait, mais nous, on ne sait pas trop comment faire parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et faire une demande MDPH alors qu'on ne sait pas ce que c'est, c'est compliqué puisqu'on a du mal à se projeter pour le projet de notre enfant. Et l'établissement refuse que je mette les pieds parce que je n'ai pas d'orientation. Là encore, je dirais que ça dépend de là où on est. Moi, personnellement et professionnellement parlant, je ne tolère pas ce genre de choses. Je pars du principe qu'une famille qui nous contacte et qui a entendu parler d'un EAP, qui a un enfant en situation de handicap, on se doit pouvoir lui répondre et lui présenter notre établissement. Donc, en tout cas, me concernant, j'ai déjà reçu des familles avant la demande en EAP pour qu'ils puissent savoir ce qu'on propose, quels sont les professionnels présents, qu'est-ce qu'on pourra apporter de plus ou en tout cas en parallèle de ce qui existe déjà auprès de leur enfant. Et après, voilà, ça leur permet de visualiser surtout parce que ça peut faire peur. C'est des murs, comme je dis. On dépose notre enfant le matin, voire même quand on assure le transport, on vient le chercher à la maison, il passe la journée, il rentre le soir. Même s'il y a du lien avec les familles, ça reste quand même quelque chose de pas connu. Et je trouve ça dur, finalement, d'avoir une notification ou de demander une notification, une orientation vers un établissement qu'on ne connaît pas. Donc, j'encourage, en tout cas, mes collaborateurs qui n'acceptent pas d'ouvrir leurs portes avant, parce que je trouve que c'est important et rassurant de pouvoir se projeter, en tout cas, et se dire « oui, en effet, je pense que ça pourra correspondre à mon enfant ». Sans voir, ça me paraît un peu plus compliqué. Et après, voilà, en effet, il y a une phase d'admission et puis après, la phase d'intégration et puis d'accueil après de l'enfant. En effet, il peut y avoir des listes d'attente, ça va dépendre des structures, des lieux, elle va être plus ou moins longue.
Après, voilà, les accueils se font en fonction des départs. Donc, en fait, bah, en effet, ça va dépendre. Après, on est sur la problématique finalement des structures adultes et du secteur adulte. Nous, la plupart de nos jeunes qui partent sur des maisons d'accueil spécialisées. Et bah, après, on est confronté en effet aux listes d'attente sur le secteur adulte. Et puis, c'est ce qui fait qu'on peut après faire des admissions de nouveaux enfants. Liste d'attente. Eh oui. D'attendre trop longue pour un sein de petit. Je dirais que ça dépend vraiment de là où vous vous trouvez et de la période. Parce que, voilà, moi par exemple, depuis, enfin, ça fait 1 an et 2 mois que je suis en fonction dans l'établissement. J'ai déjà fait 1, 2, 3, je crois 4 admissions, quelque chose comme ça. Et je n'avais pas de liste d'attente. Jusque-là, il y a là 2 mois, plein d'orientations qui arrivent. Donc, ça semble être des échanges que j'ai avec mes autres collègues, ça semble être assez cyclique finalement. Après, pas de liste d'attente ne veut pas dire pas d'accueil, comme moi j'essaie de l'expliquer. En effet, j'ai des enfants en accueil comment, partiel. Donc parfois, c'est ce que je dis aux parents quand ils ont des enfants qui sont scolarisés en maintien. Et bah oui, peut-être qu'il faut continuer à s'accrocher à de la scolarisation avec une AVS. Et en parallèle, bah, peut-être que le AP de secteur pourra proposer 1 ou 2 journées dans la semaine. Mais ça commence à travailler aussi une socialisation dans un établissement et après peut-être des accueils qui pourront être plus grands, enfin en tout cas de plus longue durée et avec plus d'accueil. Voilà, ça c'est très clair, c'est un fait. Il y a un vrai manque de place en EAP ou en IME ou en structure adaptée de manière générale. Et il De y a des manière régions qui sont beaucoup plus saturées que d'autres. générale. Visiblement, il fait bon vivre en Bourgogne. Je Il y sais a des pas si je régions fais pour bon lesquelles vivre parce c'est. que enfin voilà, en effet, la famille que j'ai reçue venait de région parisienne, m'a annoncé une liste d'attente avec des chiffres qui m'ont paru énormes. Nous, on n'est pas sur autant, mais après, ça dépend. Alors, en région parisienne, par contre, bah, ils ont en général des établissements avec énormément de professionnels paramédicaux parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Là où nous, en Bourgogne, on va avoir plus de mal à Oui, recruter des professionnels. Donc, chacun a finalement, ses problématiques. voilà, c'est ça. C'est vraiment lié à chaque entité. Enfin, Bien c'est. sûr, bien sûr. Alors, je vois la question. Dans votre AP, la CA est-elle mise en place? Avez-vous remarqué que les petites fillerettes sont très communicantes? Alors, je vais parler de façon. Les AVS pas toujours dispo, 1h30 par jour. Je sais bien. Donc, de façon plus générale, puisque moi, sur le AP, j'ai qu'une petite syndrome de Rett. Donc, c'est vraiment à la marge. Donc, je parle vraiment pour le handicap au sens large. La CA est-elle mise en place? Alors, oui, en cours de développement. C'est-à-dire qu'en effet, on a une commande oculaire Tobii sur notre établissement qui a pas forcément été accompagnée de façon fréquente. Donc là, on est en train de remettre le pied à l'étrier, d'autant plus après les journées nationales que j'ai fait en novembre avec vous, où du coup, moi-même, j'ai été convaincue parce que je ne connaissais pas forcément. Hein, juste comme je dis, ça fait pas si longtemps que ça que je suis en poste. Donc ça, on est en train de le remettre en place pour que les équipes soient bien formées et commencent à évaluer avec quel enfant ça pourrait être développé. Et après, sur l'établissement, on est principalement sur le développement du PECS. Et on a des professionnels qui ont été formés à Macathon et un petit peu à ABA, je crois. Non, ABA, c'est plus sur l'IME qu'il y a eu les formations. Nous, ça a été Macathon, de ce que j'ai vu dans les formations des professionnels. Donc oui, on essaye de le mettre en place, en tout cas, et quand on le peut, on le développe avec les enfants. Alors, encore une fois, ça, c'est un sujet qui va être, voilà, qui est différent d'un établissement à l'autre. C'est ça. Globalement, on a un peu le sentiment que quand même, la CA, c'est quand même un sujet, une thématique qui est en train de se développer. Et encore une fois, ça dépend, du personnel. Et on sait bien qu'il y a des établissements où c'est très compliqué et où le personnel n'est pas forcément en Et mesure. comme je dis, ça dépend vraiment après de l'historique. Enfin, là, je vais parler du coup en parallèle avec l'EAP du département. Là, moi où je travaille, je n'ai pas d'orthophoniste. Je n'arrive pas à en recruter et du coup forcément bah, lien orthophonie CA il est quand même important et là où du coup sur l'établissement homologue où il y a une orthophoniste présente qui elle en plus voilà a la CA et voilà a développé ça on s'est beaucoup 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 plus développé sur cet établissement que sur le mien par exemple donc on y tend on travaille en collaboration et je pense qu'on est tous conscients de l'intérêt de la CA et de la développer.
Mais voilà, il faut former le personnel, il faut enfin, voilà. Le PECS, on avait une superviseuse PECS qui venait de façon régulière, qui aide aussi les équipes à voilà, accompagner sur cet outil. Mais en tout cas, il y a une volonté des équipes, mais après, voilà, il faut pouvoir tout mettre en œuvre. Mais bien sûr que oui, il y a des outils et qu'on essaye de les développer sur des établissements. Et je pense que, comme on le dit, je pense que c'est quelque chose voilà, qui commence à rentrer dans les habitudes de travail et dans l'importance de le mettre en place. Donc, j'ai bon espoir que partout où vous alliez, en tout cas, la CA parle aux professionnels que vous allez rencontrer. Qui est en train de prendre un peu plus de place aussi et d'envergure au niveau un peu plus national aussi, et à Complètement. une échelle un peu plus haute, même s'il y a encore énormément beaucoup à faire, mais en tout cas, il y a une vraie réflexion qui est en train de s'engager. Je reprends un peu les listes d'attente. On entend souvent des problématiques, et nous, à FSR, on aide beaucoup à faire des recours, des choses comme ça, avec des problématiques sur les AVS, etc. Alors, en général, il y a un CVS, ou en tout cas, il y a quelque chose, il y a une espèce de groupe, de comité, de conseil. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste Alors, le CVS, donc c'est une obligation légale, c'est le Conseil à la vie sociale, et donc c'est des représentants des familles, représentants des professionnels et représentants des résidents. Et donc c'est des réunions plusieurs fois dans l'année qui ont pour but de parler justement de l'institution, des projets qu'on met en place, des grands événements ou des changements. Enfin voilà, l'idée c'est d'être dans du partage avec les différents représentants de l'institution. Très bien. Et donc les parents peuvent s'engager au même Il y titre a que des les représentants des familles. représentants, voilà, qui ont un vrai intérêt à s'y investir pour faire valoir les droits et l'évolution au même titre que C'est des parents ça. d'élèves dans les écoles. Oui, complètement. L'idée, ce n'est pas de parler d'un accompagnement à titre individuel, mais vraiment de représenter, en effet, comme le ferait un parent d'élève, finalement, de représenter les familles et puis du coup les volontés des familles sur ce qu'ils attendent aussi de l'établissement, sur les projets de l'établissement, sur ce que les stratégies entre guillemets mises en place et les axes de développement, et de pouvoir voilà collaborer avec avoir cet espace de parole et de collaborer avec des représentants du personnel entre guillemets, enfin des professionnels, il y a la direction et puis voilà. Oui. Donc c'est vrai qu'on dévie très rapidement sur des acronymes, et la CAA, c'est donc bien la communication alternative et améliorée. Oui. C'est-à-dire, tu peux nous en dire deux mots rapidement, Mégane? Bah, c'est des outils de communication alternative, en fait, de manière à quand même communiquer avec les enfants. Donc, ça prend plusieurs formes. Ça peut être une tablette avec du coup une commande oculaire, donc l'enfant qui pointe et qui fait des choix ou des voilà qui communique à travers son regard. Ça peut être le PECS, je ne saurais pas dire quel est l'acronyme, mais c'est un classeur avec plein de pictogrammes, et donc l'enfant peut s'en saisir ou le pointer et puis du coup faire une demande particulière. Enfin, voilà. Après, il y a le Makaton que moi je maîtrise un peu moins, qu'on n'a pas beaucoup dans l'établissement. On est principalement sur des signes, un petit peu, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est plusieurs outils de communication en fait pour permettre aux enfants non-verbaux ou peu verbaux, en tout cas, de communiquer autrement avec son. Alliant le manque de langage verbal Ouais, c'est des enfants. ça. Très bien. Très bien. Alors, Méline a 4 ans. Quel accompagnement lui proposer en septembre? À l'heure actuelle, elle a 1 h 30 d'école avec AVS le matin et crèche l'après-midi et après. Alors, ça, c'est vrai, c'est des problématiques très individuelles et qui reviennent très souvent, effectivement. Qui va Mais dépendre du heureusement. profil de votre enfant et de voilà, là je peux pas forcément y répondre. Après Si ça pose un vrai problème, il ne faut pas hésiter là, dans ce cas, à appeler à l'école pour envoyer un nous. mail à contact ou l'école, ou en tout cas, nous, à Oui, notre voilà, c'est niveau, surtout nous. on peut essayer de trouver, vous orienter ou trouver des alternatives, mais en tout cas, ça se fait de manière individuelle. Alors, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail à contact@afsr.fr ou à appeler le numéro de la permanence téléphonique. Voilà, c'est des choses qu'on traite un peu plus individuellement. Après, un enfant qui est accueilli en EAP, ou enfin, oui, je pense à l'EAP parce que ça commence un peu plus tôt que les IME. Comment, faut savoir qu'il peut avoir plusieurs accueils, entre guillemets. Moi, j'ai déjà accueilli des petites, enfin une petite notamment, qui avait de la crèche le matin, qui arrivait ensuite chez nous, qui repartait en crèche. Ou même au début, il y avait encore la maman était. Elle l'avait mis dans une maison d'assistante maternelle. Donc, on était sur un multi-accueil. Et puis après, petit à petit, on a fait passer le temps de AP. On l'a fait évoluer sur un temps plein. Mais voilà.
Ça dépend vraiment du projet de l'enfant et puis de ce que vous attendez aussi pour votre enfant. La seule chose qui n'est pas, entre guillemets, cumulable, c'est un CAMS et un EAP. Une fois que votre enfant est entré en institution, du coup, c'est une prise en charge par l'institution et le CAMS se retire de la prise en charge. Voilà, à avoir en commun en tête. Alors, on a Sébastien qui nous demande comment faire quand quand l'enfant a une vision hyper limitée. Alors, je ne sais pas si la question a un rapport avec la communication alternative améliorée ou de manière générale, mais j'imagine, oui. Je ne suis pas assez, assez compétente pour répondre. J'imagine que, de ce que j'ai compris, hein, sur le Toby, il me semble qu'il peut y avoir des essais, qu'après, ça analyse un petit peu là où allait le regard et tout ça, et que ça permet d'évaluer si oui ou non c'est possible. C'est en général des questions qui sont traitées par une orthophoniste. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'après, il faut vraiment se rapprocher d'un professionnel compétent en communication alternative et voir s'il y a des choses un petit peu comme on a sur les malvoyants, et peut-être des choses plus sur du toucher ou voilà, certainement des communications plus spécifiques, mais que là, je ne maîtrise pas. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez aussi prendre la parole et parler avec en ouvrant vos micros ou vos caméras, si vous avez envie. Mais... On avait eu quelques questions. Ah, super. Je me lance. Oui, bonjour Jessica. Oui, ça c'est plus rapide que d'écrire. Je me demandais justement par rapport au fait que vous disiez qu'on ne pouvait pas cumuler les CAMS et l'établissement, et du coup au fait que par exemple dans certains établissements il n'y avait pas d'orthophoniste, est-ce qu'on peut par contre nous décider de continuer une prise en charge en orthophonie sur un temps où le parent accompagne son enfant du coup chez l'orthophoniste, et du coup est-ce que ça par contre ça peut être pris en charge par la sécu vu que ça n'est pas proposé dans l'établissement? Non. Alors en effet on a le cas, c'est à l'établissement de conventionner avec l'orthophoniste et de prendre en charge l'accompagnement si c'est pas proposé au sein de l'établissement. Il y a la possibilité de le faire, mais moyennant une convention. Voilà, c'est-à-dire que nous, on a des jeunes, en effet, qui ont un accompagnement en orthophonie. Et donc, oui, il y a une convention où, avec une psychomote, par exemple. Nous, on a une psychomote qui est à temps partiel, donc qui ne peut pas prendre l'ensemble des enfants. Et dans ce cas, en fait, on conventionne avec le professionnel donc de secteur. Et c'est en effet l'établissement qui finance, du coup, l'accompagnement. Les seuls accompagnements qu'on ne prend pas en charge, c'est si vraiment on avait par exemple un kiné et que les parents refusent de passer avec ce professionnel et souhaitent du coup prendre celui avec qui il a peut-être l'habitude ou autre. Et donc là, en effet, normalement, on n'est plus nous dans le cadre de prise en charge parce qu'on l'a dans notre établissement et que c'est vraiment un choix de la famille que de passer avec un autre. Voilà. Mais normalement, dans la théorie, à partir du moment où il y a l'accompagnement dans l'établissement, il n'y a plus de prise en charge, entre guillemets, par votre sécu à vous. Après, voilà, c'est comme ça. Normalement, c'est vraiment à l'établissement de prendre en charge tout l'accompagnement lié, je dirais, au handicap de l'enfant. L'établissement ne va pas financer les lunettes ou les appareils. Oui, voilà. Là, on est sur deux cadres différents, tout comme, du coup, l'établissement doit prendre en charge le transport de l'enfant. D'accord. Donc, okay. La famille peut décider d'emmener son enfant et de venir le chercher le soir, mais en tout cas, si elle ne le souhaite pas, c'est à nous de mettre en place un transport et de le financer. Oui, alors du coup, Nadège nous dit, sauf s'il y a un temps partiel dans le EAP, est-ce que là, il y a des choses qui finalement se mettent en place s'il y a un temps partiel et que du coup, on n'a pas un temps plein pour pouvoir bénéficier de la prise en charge en intégralité? Ah bah, du coup, c'est que c'est nous qui ne pouvons pas répondre et donc c'est à l'établissement de financer la prise en charge en extérieur. Donc, dans le cadre d'une convention. Voilà, donc, c'est l'établissement qui conventionne avec le professionnel. Et d'ailleurs, ça n'engage pas, entre guillemets. Alors, bien sûr, après, c'est une organisation avec les familles et avec l'établissement, mais ce n'est pas forcément sur un temps hors établissement. C'est-à-dire qu'on fait aussi, nous, un accompagnement le jeudi à 11h30 d'une petite. On assure l'accompagnement vers l'orthophoniste, en l'occurrence, de notre établissement à l'orthophonie, après de l'orthophonie à chez nous, sur un temps EAP, finalement. Ça ne veut pas dire que c'est forcément sur du temps privé en famille. C'est ça que je... D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, moi, j'avais des questions. J'avais une question liée au transport. Oui. Du domicile vers l'établissement. Il y a des prises en charge, il y a des services qui sont organisés.
de manière générale. Alors après, encore une fois, c'est voilà, en fonction de l'établissement, mais globalement, comment ça s'organise ? Alors, c'est soit des transports extérieurs, soit c'est des transports internes. Donc, en l'occurrence, pour mon établissement, on a deux chauffeurs. Et donc, du coup, c'est des tournées. C'est des tournées, donc c'est là où du coup, après, il y a des orientations dans le projet d'établissement sur le périmètre d'accueil géographique. Pas qu'on ne veuille pas accueillir des enfants de partout et qu'on ne veuille que des enfants proches de nous, c'est juste qu'en termes du coup de tournée et de fatigue, nous, on se met entre guillemets des restrictions géographiques parce qu'on ne veut pas avoir des enfants qui passent 2 heures de transport avant d'arriver chez nous alors qu'on les fatiguerait encore davantage et que ça ne serait pas pertinent pour eux. D'accord. Et ce service de transport, il est donc organisé par l'établissement. Organisé par l'établissement et financé par l'établissement. D'accord. Donc Barbara nous demande sur les transports. Il n'y a pas de temps limité, c'est vraiment la stratégie, les décisions d'orientation de l'établissement. Je sais que nous, aujourd'hui, on ne veut pas aller au-delà d'une heure de transport pour un jeune. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, on essaye de réduire au maximum. Mais réduire veut aussi dire que du coup, on ne prendrait que des gens proches, donc ce n'est pas non plus. C'est pas non plus comme ça qu'on peut faire, parce que ça limite aussi, entre guillemets, les chances d'autres. Mais voilà, on ne peut pas non plus prendre des enfants qui sont à 1 heure de chez nous, parce que ça n'aurait pas de sens pour eux. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Dans tous les cas, s'il y a des questions qui arrivent par la suite, alors je parle aussi bien pour les gens qui sont là ce soir en direct, mais pour toutes les personnes qui pourraient revisionner la vidéo par la suite qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@afsr.fr. Et voilà, des questions auxquelles on peut vous répondre a posteriori sur un autre temps. Si d'autres questions vous viennent, Mégane, voilà, je peux solliciter Mégane pour avoir une réponse ou d'autres personnes si la question. Voilà. Comment gérer les crises soudaines ? On parle de crise d'épilepsie, de comportement, je pense, de manière générale. Crise de hurlement. Eh bien, je dirais qu'on va les gérer quand elles arrivent. C'est des professionnels qui sont formés et qui ont l'habitude. Après voilà, je dirais qu'une crise de hurlement, le professionnel va peut-être essayer de s'isoler un petit peu avec l'enfant pour essayer de le calmer et de à la maison. Oui. Et c'est très fréquent. Alors, là, c'est une question. Là, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense que ça va dépendre de votre enfant, d'essayer peut-être de comprendre qu'est-ce qui a créé cet hurlement. Est-ce que c'est à un heure précis ? Est-ce que c'est fréquent ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que c'est toujours au même moment de la journée ? Est-ce que c'est. Là, honnêtement, je ne peux pas vous répondre. pas hésiter, oui, voilà, c'est aléatoire. Là, c'est vraiment, c'est vraiment personnel. Je pourrais pas répondre à cette question. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour des questions autour de l'établissement ? Est-ce que toi, Mégane, tu vois quelque chose à ajouter ? Non, que je reste disponible si en effet il y a des questions complémentaires, s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on aborde un peu plus, qu'on développe après, il n'y a pas de souci. Ah oui, alors il y a des choses dont on n'a pas parlé, effectivement, parce que là aussi, c'est à géométrie variable en fonction de l'établissement, du périmètre, de la prise en charge, etc. Mais le financement, le tarif, etc., globalement, il est pris en charge. Alors, c'est très certainement différent d'un établissement à l'autre, mais il est pris en charge par la MDPH, en tout cas par l'établissement. Comment ça se passe ? C'est l'Agence régionale de la santé qui finance. D'accord. Donc, il n'y a pas de reste à charge aux familles. Voilà. Il n'y a pas de reste à charge aux familles. On finance l'intégralité de la prise en charge des enfants. On finance l'accueil, la restauration, le transport, tout ce qui est lié aux soins, donc les protections hygiéniques. Voilà, tout ça, c'est financé par l'établissement. D'accord. Complètement. Les activités et autres, c'est un budget de fonctionnement en fait, d'établissement. Donc, il n'y a pas de participation de la part des familles. Très bien.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On reste donc disponible, on le mettra, je le mettrai dans les, dans le descriptif de la vidéo sur YouTube, mais en tout cas, on reste disponible par mail ou via la permanence téléphonique, voilà, pour des questions qui touchent aussi bien ce sujet que de manière plus large. Vous savez que la FSR est là pour vous orienter. On n'a pas évidemment les réponses nous-mêmes, mais en tout cas, on travaille suffisamment en réseau pour pouvoir trouver interlocuteur pour vous répondre. Voilà. On va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Megan, qui est aussi membre du Conseil paramédical et éducatif et que je remercie beaucoup d'avoir accepté d'animer ce webinaire ce soir. Pas de souci, avec plaisir. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.